Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Endless Donjon, faut pas que je me gourde de nom. Vas-y, ouvre des portes, enchaîne. Ouah, allez, let's go, ouais. Non, pourquoi t'as fait cette porte? Quelle idée bah, de merde. Bah tu vas y ouvrir des portes. Quelle idée de coupure... merde. Tu vas gérer la coupure de courant? Ouais, j'y vais. Il me dit d'ouvrir des portes, après il m'engueule, mais c'est... Ah les patrons, hein. Ah, je peux même pas me téléporter en plus. Ah bah non. Pris. Défends le cristal. Ouais, bon, on dirait que les mecs ils vont vers moi. Allez, allume-toi. Ok, c'est bon, ils sont... ils commençaient à m'allumer, c'est bon. Okay, est-ce qu'on pourrait faire une petite recherche? Ah, on a l'impulsion électromagnétique. Ouais, mais une recherche ça va être... Je veux bien, hein, ça va être tendu quand même. Hein. Eh, tu viens seulement d'arriver, Poslovitch. Bah ouais, mais bon, que veux-tu Ah, on a réussi à gérer, faudrait poser quelques tourelles pour gérer la nouvelle zone là. Peut-être allumer la salle, on a 4 de brume, on peut peut-être se permettre. Oui. Pas non plus. On est sur de l'électrique. Les radins. Ok, je m'en occupe. Je vais poser dans un coin, bah, genre là, un truc de d'amplification. Là on reste à l'infini, on doit finir par nous extraire. On doit s'extraire, Poslovitch. On doit amener le robot aux portes en fait, l'avancer de zone en zone. Et l'amener jusqu'au moment où, sur la porte finale où on peut sortir. Je lance une petite recherche, on est chaud? Ouais, allez, on va y croire mais... Allez go. Tant pis pour le truc de bouffe, hein, s'il meurt, il meurt. En plus ça fait du soin. Alors pour le moment, il n'y en a pas qui apparaissent dans ces zones là. T'as des gros tas là, ça va le faire? Oui, ça va le faire, pour le moment. Ils sont en train de désactiver les tourelles mais... En même temps si je passe à l'électrique... Ce serait mieux. Oh, ça va. Tu vois, ça nous soigne en plus. C'est bon, vrai. Pas de grand chose, mais un peu quand même. Ok, bon bah... Bon, on a des impulsions électromagnétiques plus. Ça devrait aider quand même. Bah là, je mine de rien, ils sont obligés de prendre un sacré enchaînement de tourelles pour se pointer dans ce couloir, hein, donc ça aide. C'est ça. Je sais pas trop où aller. Il y a un souvenir là où je suis, hein, d'ailleurs, où tu peux. Okay. Et une autre arme lourde. Je l'ai pas pris. C'est quoi? Fusée de poche. Dégâts classiques. Ouais, non. Cadence de tir faible et moyenne portée. Je teste quand même, mais. On peut placer des tourelles dans les salles non chargées, pas dans les salles non éclairées par contre. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire dans les salles non chargées? Dans les salles non chargées, ah ouais, je vois pas ce que tu veux dire. Si tu parles de l'éclairage, non, on peut pas mettre de salles de tourelles dans les salles non éclairées. Il faut dépenser une ressource. Faut qu'on dépense de la brume pour allumer les salles comme dans l'autre. Ok, donc la sortie est là. Je pense qu'on peut se permettre d'ouvrir encore quelques portes. Hein. Puis il y a un repos qu'on pourra faire en plus. La dernière. Un coffre, c'est parfait. Histoire là. Allez, un petit. Ah putain. Ah si, un truc. Des gadassines dans un code à moyenne portée. Ah. Ça arrive un peu tard. Est-ce que ça vaut le coup de lâcher le lumineux? Ouais, je pense que oui. Pourquoi la salle apparaît en rouge? Ah, elle apparaît en rouge parce qu'il y a une zone d'invocation dedans. C'est-à-dire qu'il y a des vagues qui pourront arriver par cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a des vagues qui arrivent là, ouais. J'ouvre la porte et j'envoie le cristal, ça te va? Ouais, ça me va. Et bah c'est parti. Il faudra qu'on soigne vite teuf si on peut avant. Alors, rappelle-le-moi. Ouais, je vais essayer. Même l'électrique il fait tellement pas de dégâts sur le gros tank avec son épée là. Ça
déprime. Ah ouais, non, c'est clair. Ok, il y a un truc qui ouais, poursuit le robot. Ça arrive, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Je reste là. C'est une saloperie. On va le booter à l'acide. Je vais mettre quelques petites mines derrière. Puis on a des tourelles quand même qui back. Ouais, ouais, bah on a investi un peu. Hein. Ouais, ouais, ça joue. Hein. Ça commence à arriver derrière lui, mais on est bien. Ouais, ça, pour le moment tout va bien. Et y'a même pas tant de points rouges que ça dans le coin. Ouais, bah les tourelles font le taf. Hein. Alors là, attention, ça va être les petites saloperies là. Donc là, ouais, tu vois, le cristal il est en train de faire sa vie là. Et nous, faut qu'on tienne jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'il ait terminé d'ouvrir sa porte. Il a bientôt ouvert sa porte, c'est le moment de se soigner. Ok. Et de pas prendre de dégâts tant qu'à faire. Ah ouais, je reste bien derrière, moi je te le dis. Enfin, c'est tenté que c'était vraiment la fin de la zone. Hein. Alors, à voir si ça valide ou pas. C'est moi ou alors c'est pas maintenant. C'est moi, il est dans une zone avec deux. Ouais, ouais, ouvert, ça, sent la, hein. ça sent carrément la salle de boss, hein, je te le dis. Donc je pense que t'as pas validé ton truc parce que c'est après. Ouais, c'est pas le deuxième étage, effectivement. Ah la vache, l'enfoiré quoi. Deux zones de, ouais, de spawn dans la salle du cristal quoi. Tiens, viens là, y'a un souvenir vite avant que le boss se pop ou je sais pas quoi. Non, bah pour l'instant, normalement on est en sécurité donc pas de soucis. Je vais poser des. Ouais, mais ça va pas tarder, je pense, parce que. Ou alors faut ouvrir... c'est quand on va vouloir ouvrir la grande porte. Je pense que c'est quand on ouvre la grande porte. Attends, je pose des petites tourelles déjà. Parce que j'ai un souvenir de cette salle là et je me demande si c'était pas le boss de l'open dev. Ça me fait penser, à... ça me rappelle quelque chose, ouais. Où il fallait envoyer le cristal, faire des trucs. Il fallait envoyer le cristal sur le boss quand on l'avait affaibli pour qu'il aille le ouais, grignoter son armure ou un truc dans le genre. C'est ça, ouais. Je devais se faire. Je me gourre pas, hein, c'est bien ceux qui sont faibles contre ça, ouais. Alors, est-ce qu'on peut poser plusieurs buffs là, ils font quoi les buffs? Augmente les dégâts d'attaque des héros. Normalement, ça se... si c'est comme dans DOTE, ça se cumule. Je ouais, pense là, on pas a qu'il un... l'ait changé. On a un bonus de dégâts de 70%, mettons que j'en pose un autre. Il n'y a pas un emplacement un peu excentré qui sert à rien. Pas trop, bah on va le mettre là. Ouais, 110%. 120. Ouais, pas mal. Enfin, 120 pour moi, mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va en mettre un troisième parce que on est pas radin. Bon, ça va que j'ai de l'acide en plus, c'est bien. Pareil du coup, ouais, le petit pop d'acide, j'avais fait de le prendre, je me suis tâté, je me suis dit si on retombe sur des lumineux, mais bon. Bah non, là je pense que ça aide là. Allez, vas-y. Déplacer le robot pour ouvrir. On est prêt? On est prêt. Suivez cette piste. En route, doucement. Voilà, là c'est la saloperie. Elle arrive et détruit toutes les tourelles, ça. Ça pourrait, mais non. Ouais, c'était bien tentacage, c'était bien ça. Tentacage. Bon, alors, oui, bah, la strat. Il va aller dessus. Je m'en souviens plus trop, mais... Ah oui, bah c'est un gros, il est résistant devant, il est faible dans le cul, quoi, ouais, d'accord. C'est pas là qu'il fallait lui envoyer, non? Peut-être pas. Je sais pas, mais en tout cas, on lui fait bien mal, hein, première vue. Je vais redire que le robot te suit, par contre. Je viens de voir ça. Si tu veux essayer de l'envoyer... Bah, je pense qu'on peut finir sa vie, d'abord. Ouais. Voilà. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple, hein. Bouge-toi à la porte à mon avis. Ah oui non c'est vrai, il faut qu'il pique des trucs. Putain, par contre les tourelles elles sont améliorées de ouf quoi. Ouais très vite hein. D'ailleurs il y en a une là-bas. Oh bah, je te laisse y aller, je surveille de l'autre côté. Ils l'ont pété alors qu'on pouvait l'améliorer les bâtards. Je vais poser quelques petits quelques petites mines à droite à gauche. Bordel que c'est long. Ah il me suit, ça y est de nouveau. C'est que le boss reprend sa vie. Mmh. Ah non! Tire-toi, petit robot. Ah, il a pas du temps, il faudrait. Attends, ça va qu'on lui a donné de la vitesse. Hein. Oui!
il faut le renvoyer, vas-y. On va réparer les tourelles un peu. Tu disais que tu avais combattu pendant 12 minutes l'autre boss dans la oui. première zone. Et je suis mort. C'est un combat de longue haleine. Mais à deux déjà tu peux plus facilement, mais à solo faut gérer les deux persos, la défense. C'est pas facile quoi. Ouais, ça va être la dernière phase. Après tout je peux claquer mon spécial aussi hein. Sors de là petit robot. Voilà, je tire plus vite, je fais plus mal. Et je suis mort. Merde. Ouais ouais. C'est bon, il va tomber, on voit le truc et vient vite me raise. Ah putain, je suis ralenti. Ouais. C'est quoi ce bordel? Je dis vite, au plus vite. Bien sûr. Ah, je peux pas. Oh, oh. Oh c'est bon. Ouais, je pouvais pas te raise parce que t'étais sur une tourelle quoi. Ouais, génial. Ah bah, oh. Franchement, par rapport à l'autre, enfin, ou l'autre, on a vraiment pas trouvé la bonne strat, je sais pas, mais. Recette de boisson récupérée. Faut qu'on l'envoie à la porte parce qu'on est toujours en danger là. Bon bah tant pis pour le full life hein. Bah de toute façon on avait pas assez de soins. Tu repars transcrire un vieil ouvrage de 1762. Ah bah écoute, Poslovitch, fais-toi plaisir. Eh bien ben, joué. Ouais. Bah, amuse-toi bien. Si on peut dire ça. Bon bah ça se passe pas si mal, mais du coup ça se trouve c'était même pas, c'était une fois d'avant le deuxième étage, parce qu'au final là on va passer à la zone d'après, on va plus être sur la... Ouais je pense qu'en fait il fallait être full life après le boss. Ouais peut-être. Je pense. Bizarre ce coup du deuxième étage. Ouais. Bah là c'est la fin du deuxième étage pour moi. Ouais. Il nous reste beaucoup d'étages, bah un seul normalement. Deux je crois. Deux, ah oui, deux peut-être. Bah là t'as le choix entre les deux zones apparemment. Ouais, je vais vous tuer si vous continuez. Montrez-vous, espèce de grossier personnage. Alors, bah du coup, t'as réussi tant que ta quête toi? C'était quoi déjà? Oui, je crois, bah c'était de buter le boss. Ah ok, bon bah oui, effectivement. Alors, le centre de transcendance ou l'incubateur? Je crois qu'il y a un perso à débloquer au centre de transcendance, ça me dit quelque chose ce nom. Eh ben bon horizontalage Gaelden. Essaye de te reposer Gaelden, ouais. T'as du exarchi à faire. On devait en pleine forme. Allez. Bisous à toi. Ciao ciao. Bon courage et bonne soirée. Repose-toi bien surtout, profite un peu du week-end. D'otage aussi, c'est vrai. C'est vrai ça, mais tu glandes en fait. Bordel. Non, non, mais finesse. Je tourne un peu quand tu tournes un peu quand tu dors pas là. D'accord. Bah, surtout quand t'occupes tes gamins qui sont en train de faire des devoirs, un petit tournage vite fait et puis voilà quoi, je sais pas. C'est ça, ouais. Et tes gamins, bon, c'est des ados je crois, mais enfin c'est pareil. Bon bah écoute, là c'est totale découverte. Hein. Ouais, du coup je pense que le. Le coup de c'est atteigner le deuxième étage du quartier de l'usine stratégique, donc je pense que c'est le deuxième étage dans le sens deuxième étage de la carte de la station. Je pense qu'il fallait qu'on arrive à l'usine stratégique en étant full life en fait. Ah ouais, parce que ça paraîtrait un peu plus simple. Mmh. Bon. Bah écoute hein. Oui, ça se fera. Ah, les graphismes sont quand même super cool par contre. Ouais, il est beau, il est la très DA, y'a rien à dire. C'est ça. Alors on a quoi? Oula, dérivation énergétique. Réduit de 30% les dégâts d'attaque des héros. Ça pue. Réduit de 50% le temps de rechargement de la compétence. Réduit de 20% le temps de rechargement. Bon! Eh ben au revoir. Oh, t'es pas joueur. Non. Non, ah. Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Bah tiens, c'est pas des spectros ça? Ah non, c'est des... des insectes. Donc il faut pas leur tirer dessus avec de l'acide pour le coup. Alors, tous les monstres de cette salle reçoivent le statut affaibli. Ah, c'est pour ça, ils avaient un truc sur la tronche, je pensais que c'était... Je pensais que c'était des spectros, mais en fait, c'est qu'ils avaient un malus. Quand t'avais leur âge, tu contribues à Wikipédia. du coup, on n'a pas de lance-flamme.
Donc je vais mettre une impulsion électromagnétique, c'est le niveau 2 qu'on a pour le moment. Tout à fait. Puis on verra. On va voir. Oh putain, y'en a encore une invoque ici. Celle-là elle est tendue hein. Non là celui-là on le fait pas. Putain des spectros quoi. Oh merde. Il est devenu invisible le con là. Une vague en plus. Putain mais il doit y avoir un truc qu'on a pas capté avec eux hein. Bah je sais pas, je t'avoue que. Bon au moins on a la tourelle lumineuse. Ça va aider un peu. Pour l'instant c'est quand même un bon gros goulot d'étranglement, c'est déjà bien. Par contre tu t'es fait défoncer le cul là. Ouais mais tu sais que j'avais déjà plus beaucoup de vie de base. Mais ouais ouais bah. Ouais, c'est vrai que t'étais mort. Hein. C'est le truc d'acide contre eux, c'est pas ouf donc. Votre arme, ouais l'électrique reste mieux je pense. C'est quand même un bon compromis. Bon, j'ai mis des tourelles lumineuses, il s'est devenu invisible, mais quel enfer! Essayez les coups de corps à corps, mais non. Hein. Et la tourelle les voit pas, c'est vraiment de la merde. Ouais. Ah ouais, là c'est YOLO. Hein. Ouais, alors là le minage, pas pour le moment. Si jamais on doit le faire avancer par là un jour, pourquoi pas, mais. On a la sapeuse niveau 2, le diagnostic répare de manière continue les autres tourelles dans la salle. Ouais, bon. Ça peut être pas mal. Je vais mettre deux lumineuses ici, ça devrait déjà leur faire un peu mal. Le diagnostiqueur là, répare de manière continue les autres tourelles dans la salle. Quand cette tourelle reçoit un coup, toutes les autres tourelles de la salle sont instantanément réparées. Ouais, on a pas de truc level 2. La sapeuse. Réduit la défense, augmente la faiblesse élémentaire. Ouais, ouais, c'est vrai que ça aide quand même. Hein. Et après, c'est le tireur de la tour de base, mais il nous manque un point de science. Est-ce qu'on va poser des sapeuses encore? Je sais pas trop, je t'avoue là. Sinon, hop, pour 10 de science, on va réinitialiser, on va regarder ce qu'on a. On a le phosphore enflammé, inflige de faibles dégâts de feu à un monstre. Le laser aveuglant, tourelle à courte portée qui inflige des dégâts lumineux continus au monstre. Ou le tir d'acide, tire une salve à longue portée qui inflige des dégâts d'acide. Ah, écoute, on a des insectes, donc pourquoi pas le truc à flamme là. Phosphore, hein. Allez, let's go, joie, bonheur. Je vais rester en bas pour le moment. Bah, j'ai mis des tourelles lumineuses, ça devrait les calmer un peu, je pense. Putain, comme ils chargent, les enfoirés. Je vais mettre quelques petites. Si t'as besoin, tu me dis, je me téléporte. Ouais, pour l'instant, ça va. Je mets des petites mines. C'est vrai que, quand même, mon arme électrique est pas la plus efficace, mais elle fait quand même des gros dégâts. Ils ont le statut affaibli dans la salle. Franchement, c'est pas si mal. Il y en a un qui est passé hein, en mode. Ah, ça y est. En mode YOLO, voilà. J'apparais où je veux. Exactement. Total manque de respect, rien à foutre, je t'emmerde. Ah, ils ont une bonne portée celle-là, tiens, c'est parfait, j'en mets deux. Ouais, après, ils font pas trop de dégâts, mais bon. Écoute, ouais, mais sur les insectes. Bon, après, on a plus d'industrie par contre. Hein. Il faut ouvrir des portes. Ouais. Un petit truc de science, c'est toujours ça de prix, on progresse. Oui, oui, bien sûr. Oh bah tiens. Promets de l'industrie si tu veux. Ouais, je pense que la bouffe on est bien, la science on a fait des recherches. Ouais, je pense qu'on peut. Tu veux qu'on. On temporise ouais. Vite fait. J'irais peut-être temporiser par là, ouais. J'ai ma seule idée. Pas une porte jaune. Ah, un truc rouge. 30% de vitesse de héros dans les salles sombres. Ouais. Bon, on est pas, pour l'instant, c'est pas une priorité. Ouais, je pense. Ouais, c'est pas du tout une priorité. Je vais te le dire, effectivement. Ok, on ouvre là. On a quoi? Une note. Ça va péter. Je mets un truc de science vu qu'on a quand même popé de la recherche. On sait jamais. Exactement. Et puis après, ben bah, on tient. On verra. On va déjà tenir, ouais. Bon, normalement, avec les flammes, ça devrait passer. T'avais les lumineuses, elles font le taf dans ta salle? Ouais, elles font pas mal de trucs, ouais. Puis bon, je rajoute des petits dégâts électriques en plus, ça va. J'aurais peut-être foutu. Mais ça fait le boulot quand même. Ouais, ça fait le taf. Mascarade.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça peut être le même type, c'est ça? Je sais pas, mais j'ai des trucs bizarres, moi, que j'ai jamais vus. Pourquoi ils sont très 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 résistants comme ça? Ah, c'est des élites. Pourquoi je leur fais zéro dégâts? Je comprends pas non plus. J'ai l'impression que si on leur fait des dégâts, genre de la même phase, ils résistent, un truc du style. Ok, bon, l'acide ils aiment pas. Ouais, l'acide ils aiment pas. Mais non, rien, ils sont devenus verts là. Donc maintenant ils résistent à l'acide. Une belle saloperie ça encore. Ils changent de type en fait. Les saloperies, ouais, j'avoue là. J'allais foutre une tourelle lumineuse juste à côté du cristal pour quand. Oui, hein. Quand il y a les saloperies qui arrivent là et puis qui réapparaissent juste à côté, ça aidera. Je m'étonne. Du coup, il y a une porte jaune, hein, c'est ça? Ouais, mais on peut pas l'ouvrir. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à gauche et trouver d'où ça vient. Le ouais, cristal, il va devoir faire un chemin qui m'a... Ah oui, ou en haut. On peut aller un peu. Bon, on va continuer. Ouais, mais ouais, continuons par là, ouais, tant qu'à faire. Ah bah super. Non, attends, c'est ça que je veux faire. C'est de l'acide. Voilà. Le son du jeu est tout à fait nickel. Bah merde, bah du coup ça devait être que j'avais été un peu trop gourmand sur le LV là. Pourtant le graphiquement c'était vraiment fluide. Hein, mais... Ouais, mais des fois c'est fluide et en fait OBS derrière il galère à mort. Ouais. T'as un canon lumineux si tu veux. Écoute, je vais virer l'électrique. Bah le canon lumineux je l'avais enlevé, tu sais, pour prendre l'acide. Ouais. Ouais, d'accord. Donc si tu le veux. Non, bah. Il te reste quoi toi, de l'acide et de l'électrique? Ah, je peux comparer à la limite entre les deux, mais. Le tien fait un peu plus mal, hein. Mais fais voir. Il faisait des grosses boules et ça stun les ennemis en plus, donc. Par contre, ouais, faut bien viser quoi. Ouais, c'est ça. Bon bah. C'est peut-être là la suite. Ok, c'est là. Ok, faut l'amener là. Oh la vache, pas. J'aurais presque envie de croire, mais. Ah ouais, non, on pourra pas. Non. J'avais presque envie de croire que par en haut, la petite porte, ça ramenait à là, mais non, parce que du coup, non. Pas du tout. Ouais, mais par contre, on a tout intérêt à le faire miner, puis à l'envoyer là. Hein. Ah putain. À faire miner le cristal, tu veux le petit. Bah, sur son éclat, ouais, il est sur le chemin donc. Par contre, on va en chier grave. Mais non, on est bien là. Oui, on est large. Par contre, comme un con, je me suis pas mis aux bonnes zones. Voilà, j'y vais. J'espère que ça va passer, ça va tenir de l'autre côté. J'en ai déjà un qui est passé en invisible, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Allez, je défonce. Ah, ils vont taper sur les générateurs, sérieux, les machins. Ils spam, ils snipent les générateurs, quoi. Saloperie. Ouais, ils ont une unité spéciale qui fait ça chez eux, ouais. Ça passe pas en fait, là j'ai eu peur qu'ils passent les tourelles, mais en fait ça va. Je crois qu'on en a un qui a sauté. Ouais, l'industrie, ouais. Je vais essayer de sauver lui. Je crois qu'il y en a qu'un qui lui tape dessus. C'est bon. Ma vie, bordel. Pouah. Chaud, hein. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on protège aussi les générateurs. Je vais poser une petite tourelle pour le protéger un peu. Après, on dit d'aller faire le cristal, je sais pas, hein, parce qu'en fait, là, il y a une... Ah bah si. Ah bah si. Ah ouais, si, pardon. Si. Bah si, après, si, on si, peut... Si. On peut ouvrir la porte en haut, juste histoire d'être sûr qu'il n'y a pas. Je pensais pas à celle-là. Bah là, on est obligé, parce que sinon il va devoir passer dans la salle où il y a des vagues. Je pensais à celle du générateur en haut. Ouais, la petite là-haut. Des fois qu'il y a un autre truc à miner juste là, quoi. Vu qu'on nous a déjà fait le coup, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, bon, on peut s'améliorer déjà, mais. C'est déjà ça. Il y a encore deux portes, quoi. Vas-y, regarde-moi, c'est pas dingue, mais. Ajoute 2000 aux réserves max de ce héros, ah, c'est hyper bien. C'est hyper fort. Ouais, tu m'étonnes. On ouvre. Ouais, je regarde ce qu'il y a d'autre. J'actualise mes options parce que je suis pas très fan. Compétence passive, un canon de tir d'attaque aux tourelles à chaque fois que ce héros... Non, ajoute 20% de déplacement à ce héros si aucune tourelle, non. Ah, c'est pas dingue, hein.
Je vais prendre le passif quand même, parce que j'améliore les tourelles quand je suis dans la même pièce, donc quand même pas mal. Essaie de progresser un peu par là. Allez. Toi aussi t'as l'image qui tremblote un peu là? Non, pas du tout. Ok. C'est bon depuis qu'on a ouvert la porte, mais tant que la porte était fermée, l'image tremblotait un peu chez moi. Bizarre. Comme si, tu sais, il y avait un réacteur ou quelque chose qui tournait, qui faisait... Enfin bref. Il y a une autre porte là, on va voir. Par ici. Ils sont extrêmement mal placés en plus. Ouais, carrément. Vas-y, protège le cristal s'il y a des trucs qui l'atteignent. Je m'occupe des machins de façon sur le chemin. Enfin, si je peux survivre, parce que les enfoirés qui se mettent devant, c'est pas cool. Bon, j'aille devant le cristal parce qu'on voit pas ce qui arrive, donc... Ouais, non, faut que t'ailles devant, ouais. J'y suis presque. Les ennemis sont assez lents, heureusement. C'est bon. Bon, je me suis pris quelques coups, mais franchement, ça va. Et tu vois, je suis en train de voir que le robot en haut, je pense que ça rejoint par là en fait. On pourrait faire tout le tour et aller dans la grande salle. Ouais, mais on peut pas lui donner de chemin, donc ce qui passera par là, faudrait qu'on le fasse. Bah si, en fait, tu le fais déplacer qu'on... et après tu l'envoies. Ouais. Ça, tu vois, soigne 500 de PV tous les héros une fois pendant 10 secondes. Ça a pas marché, non? T'es toujours pété, et moi aussi. Ouais, j'ai pas compris. Pourtant, j'ai déjà vu marcher ce truc là. C'est pas de l'acide contre eux? Je sais plus c'est quoi contre eux. C'est ça, mais c'est que. Ouais, c'est, il fait rien. C'est un élite quoi. Il avait un effet, comme s'il y avait un truc qui faisait des effets. Ah, on n'a pas assez pour reprendre des soins par contre. Si, j'en ai acheté un. Ah, t'en as acheté un, ok, cool. J'en ai acheté un, ouais, si, pardon. Ouais, bah là ça rejoint, écoute. Hein. Bah, j'ai envie de te dire que ça pourrait être pas mal. Et tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait ouvrir la porte qu'au dernier moment. Ouais, on le fait, ouais. Fait nous suivre et. Et on ouvre la porte en espérant que ça marche. Mais attends, il a un éclat de cristal? Ouais, mais t'as vu où il est placé, franchement? Non, mais en amélioration, là. Hein, hey, il y a une amélioration. Ajoute 25% de dégâts d'attaque aux tourelles dans la salle du robot, 50% de vitesse, mais pour 50% de dégâts subis. 50% de vitesse, pour l'instant, on a réussi à bien le protéger. Ouais, carrément. Ça peut être pas mal, hein, je propose de prendre ça. Vas-y, ça va péter, va falloir qu'on fasse ce qu'on a dit. Vas-y, prends-le avec toi si tu veux, je te couvre. Ah ouais, il avance presque vite. Pour presque quoi, c'est ça que tu veux me dire? Ouais ouais, rien, c'est pas si mal. Je pars sur les devants parce qu'il y a un peu de monde. Ouais, je couvre ce qui sort là. J'espère que je vais pouvoir ouvrir la porte hein, par contre, sinon on est baisé. Ça se passe pour le moment. Ici aussi, tout va bien. Je pose des petites mines derrière moi. Je dis juste, j'espère qu'on peut ouvrir la porte, sinon on est dans une merde pas possible. Ah bah écoute. Ouais, je peux l'ouvrir. Ok. Vas-y, ouvre. Et on l'envoie là. Et là, je pense qu'on les baise un petit peu quand même. Ouais, ça commence ouais, à popper juste à côté du coup là. Ils ont fait un truc dynamique, donc ça c'est cool. Chacun une entrée hein, pour le moment, c'est pas mal. Ouais. Et on crie si c'est panique. Putain, y'en a un qui est passé, c'est bon. J'ai plus de mine. Putain, les ombres des énormes araignées qui s'approchent, ça fait flipper. Ah putain, y'a des saloperies de lumineux. Et en plus, je me suis fait araignétiser la tronche.
Il est où le générateur qui se fait attaquer? Oh putain, il est tout là-haut. Il est tout là-haut et il y a 2000 ennemis dessus en plus. Il est pété. Oh là là, on a perdu le générateur quoi. Ouais. Attention parce que du coup ils vont se pointer les autres enfoirés. Ouais, ça y est, je suis parti au. Devant. Ah, mais c'est parce qu'il y a un gros là qui en génère juste dans la salle du générateur. Bah sinon c'est pas drôle hein. J'aurais dû lui mettre une tourelle. Je me suis tâté, j'aurais dû. Alors ça veut dire que la suite elle est forcément. Non, je sais pas. Je m'avancerai pas sur là où est la suite, ouais. Bah c'est bizarre en fait, les portes vertes y'a que là. Ouais, l'autre elle est. Ouais. Ah bah oui, y'a le truc où c'est bon, le déverrouilleur. Voilà. Ah oui, l'interrupteur. Et du coup, maintenant, bah. Faut voir. On va pas ouvrir l'autre porte verte hein, tout de suite. Ici ou. Ouais. Ouais, vas-y. Oui, parce qu'on a envie de croire que c'est là. Mais lol. Je vais à l'autre. C'est juste à côté, ça va. Je fuis. On a débloqué du lumineux, on dirait. Non, ça va là. Ça tombe bien, c'était à côté. Ça va. Ouais, ça va, ouais. Mais par contre, c'était pas là la suite. Il y a un coffre par contre. C'est du lumineux, on est d'accord. Hein. Ouais. Ouais c'est ça. On a une attaque électrique. Longue portée, feu, c'est quoi? Putain, du coup, on commence à être un peu en déj de. Non, je vais garder ça. On commence à être un peu en déj d'industrie, si peu. Ouais, les deux générateurs détruits. Bon, heureusement, il y a le boost du cristal qui aide quand même un peu, mais. Ouais. Putain, la lenteur, c'est vrai que mine de rien dans les salles on la sent. Hein. Ouais, putain, l'enfer là, les salles pour rien quoi. Vas-y, on peut en avancer. Ok, c'est là. C'est là, c'est là. Ah non, c'est ça là. Ah oui, c'est la salle, ok, pour déclencher une vague. Ouais, je vais l'éclairer celle-là quand même parce que bon. Ouais, est-ce qu'on tente de le faire miner? C'est chaud hein. C'est sur le chemin en soi, mais bon, hein. Ouais, voilà. Du coup, je pense qu'on a tout intérêt à ouvrir celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, quoi que. Ouais. Ouais, je sais pas. Est-ce... Ouais, si. Au pire, il y a du danger. Pareil, je vais ouvrir celle-là, ça fait un peu de ressources gratos. Je pense qu'on va faire comme tout à l'heure, on va lui demander de se déplacer pour le faire passer par en haut. Et puis après. Et après, voilà. Je l'active avant que ça pète. Bon, bah, je l'active. Bah, vas-y. C'est avec espace, hein, sinon que tu fais comme ça. Hop. Espace, confirmer le déplacement, c'est bon, il est sur moi. Sauf que, est-ce qu'il va passer par en haut ou par en bas? Je ne sais pas, allez viens. Putain, qu'est-ce qu'il est lent à se lever! Feu d'artifice! C'est bon, il passe par en haut. Oula! Quoi? Qu'est-ce que t'as vu un truc? Bah, y'a du monde? Ah oui. Je suis mort. Ils m'ont défoncé le cul. Fais gaffe. Ah la vache! Ouais, voilà. Allez, donc ceux-là en plus, on dirait qu'ils te pètent à la gueule ou un truc du genre. Bon bah. Ouais, je pense que là, de toute façon, quelle que soit la vague, même si on n'avait pas activé le cristal, on était crevé. Bah, je sais pas, en vrai, en restant à distance, ça... parce qu'ils s'en foutaient du cristal par contre, donc en fait. Ouais, bah ouais. Mais on s'est fait surprendre quoi. Ouais, le feu d'artifice, c'est les mecs qui te sautent dessus et qui te pètent à la tronche quoi. C'est ça. Bon, bah, c'est pas si mal, on a quand même trouvé pas mal de choses, une clé pour la chambre forte, on trouvait une boisson sur le boss. Ouais, non, c'est pas mal. C'était pas si mal comme run, c'était pas si mal. Connaissant pas du tout la zone, ça va. Ouais. Ah, et puis y a un côté roguelite, hein, donc petit à petit on avance plus fort. Oui, tu peux montrer d'ailleurs ce que tu as débloqué dans le hub là. Les coffres, la possibilité de faire des coffres, c'est pas mal. Là j'ai débloqué ce truc là qui fait qu'on peut dépenser des pièces pour avoir des coffres qui apparaissent au début de la prochaine expédition et qui du coup contiennent des bonus directs quoi. D'ailleurs je pense que je vais prendre un coffre rare. Hop, voilà. Alors on a des petites discussions, donc le barman. Bienvenue pour vous, le nouveau bar amélioré est officiellement ouvert. Avec cette recette et les suivantes, je pourrai préparer des boissons qui donneront toutes sortes d'avantages.
Alors, le café est désormais disponible. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour le moment? Le punch poivré, défi disponible. Ok. Alors, défi des boissons. Augmente considérablement les dégâts d'attaque et modérément la défense des tourelles, mais les tourelles s'infligent de lourds dégâts en attaquant. Et c'est un défi, d'accord, ok. Donc dégâts d'attaque des tourelles 50%, dégâts des tourelles plus 20%, la tourelle qui tire subit 100% des dégâts de ses propres tirs. Wouah. Je préfère les billards de Diproc, hein. Tu m'étonnes. Carrément. Alors, il y en a un qui a une quête là, ou un truc. La façon dont vous décrivez le centre de transcendance, ça m'est revenu, j'étais là et j'ai commis des erreurs. Je vous rejoindrai volontiers pour votre prochaine exploration, pour voir ce qu'a fait l'homme, pour voir ce dont je me souviens. On a débloqué Camarade, le mec qui gérait l'atelier. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie, Camarade? Alors les souvenirs, je sais pas si on a déjà débloqué 4 sur 4. Non. Mais en fait ça te débloque une petite ciné qui te parle de la station, des Andelès et tout. Je vais la mettre, tiens, je l'ai débloqué. Une autre, je veux bien, mais c'est long hein, quand même une partie. J'ai pas mangé moi. Ouais bah là, 1h40 de live et c'était notre première partie. C'est bien pour ça que je dis ça. Après on peut se faire un truc un peu plus rapide hein. Là on avait pris le quartier général qui était en mode bien vénère. Oui, éventuellement. Écoute, on retourne dans le port astral, essayer de se faire la large, prends fond de vie pour soigner. Vas-y. Est-ce que je peux éventuellement... Non, c'est pas ça. Prendre une petite amélioration. Ah, j'ai un deuxième emplacement pour le héros par contre, moi. Ah, j'ai débloqué un troisième emplacement pour le cristal. 15% de vitesse, 10% de soins pour chaque porte de zone et de sortie ouverte, c'est pas mal. Ouais, je vais mettre ça. Plus de vie, plus de vitesse et un minimum de soins. Tu me dis quand t'es prêt. Ouais ouais, je regardais, mais ouais, effectivement les améliorations d'armes en multi, bah, j'ai l'impression que je peux pas profiter en fait. C'est bizarre. Bah, il y a peut-être une astuce ou... Bah mon perso je peux mettre une nouvelle équipement, mais sur les armes c'est marqué non, c'est les tiennes, donc si tu ne mets pas d'amélioration toi, j'en profite pas. Ouais, c'est un peu bizarre, bon bah écoute. Ouais. Tant pis. Allez, hop là, on prend Fungi. J'ai même pas vu ce que c'est la troisième quête, mais c'est pas grave, je vais garder Z. Bah moi je sais qu'elle est pas dans cette zone, faudrait qu'on aille dans le jardin avec Fungi, mais c'est pas grave. On va se faire un petit run, pas trop long. Ouais. Ouah. Allez. Sois heureux, Poslo. Ah oui, en fait j'ai toujours la quête éliminer le boss au deuxième étage dans ta cage. En fait il est bon, il faut que je retourne dans ma partie en solo pour que ça la valide je pense. Ah. C'est particulier hein, leur truc. Hein. Ah tu vois là on a directement un petit peu d'objets, on a eu un nouveau une nouvelle tourelle débloquée. Ah ouais. Alors le truc antisocial est pas ouf pour le coup là, l'artefact là. Ah et moi ma quête en fait c'est de faire terminer la première zone du premier étage du quartier de Jardin de Piété avec Z dans mon équipe. Je crois qu'on aurait dû faire le jardin en fait. Bah t'aurais dû... Vas-y, réinitialise, je m'en fous moi. Si tu as raison, c'est vrai, on peut... Hop, allez. Au moins, tu feras au moins ça quoi. Ah et tu vois, là c'est marqué, les insectoïdes sont vulnérables au feu et résistent à l'acide, donc c'est ça. Ils sont de type acide et leur faiblesse c'est le feu. Ouais. Ouais, mais c'est comme une espèce de truc qui rampait là, et qui se démultipliait. Effectivement, j'ai vu que des fois, ils avaient l'air d'être faits d'électricité, en fait ça paraît pas comme ça. Mais en fait si, je pense que...
Je pense que c'est le cas. Allez, go! Comme ça, on va au moins faire cette quête-là avant d'arrêter. Bon, mis à part que t'as fait au moins t'as fait un coffre pour rien, mais bon. Ouais, bah écoute, hein, c'était, je crois que c'est 250 pièces, c'est pas non plus. Oui, puis bon, de toute façon, le contenu était pas dingue non plus. Enfin, la capacité, comme tu dis, était pas ouais. terrible. Donc... C'est quoi, c'est des boules de Noël que t'as sur tes épaules là, avec ce skin? Non, c'est. Non, ok, non. Je me disais, il y a un blanc, petit, en fait. Un petit skin à la Père Noël là. Non, ils sont juste blancs. Nickel, un premier emplacement, c'est parti. On repart dans l'autre sens du coup. Yep. Comme ça. Ah, il a une dégaine quand il se déplace, Fongi, j'adore. Oui. 90% de moins après un coup. Ah oui, ça faut donner un coup. Ouais. Ah oui, c'est hyper bien. Ça. Ah, mais même dans le vide ça marche. Même dans le vide ça marche, ouais. On va péter des fions. Alors j'ai même pas regardé c'est quoi mes compétences. Lance une âme qui soigne le héros ciblé, génère une aura de soins et de protection et génère une âme de soins. A chaque fois que tu dis monstre, génère un une âme de soins. Oui, oui, il était très très bien ça, lui. C'est bien ça. Bon, je mets une petite tourelle comme d'hab. Un petit flingue direct de feu, c'est pas mal ça. C'est clair. Ah merde, par contre ça c'est pas cool. Vu qu'il y a les... Je vais foutre une tourelle du coup vu qu'ils ont les snipers de... Ouais, pas de soucis. Allez, on ouvre la suite. Monstre en approche. Ah oui, au fond de la salle là-bas. Bon, c'est court de portée, mais ça le fait. Oublie pas qu'elles ont une portée les tourelles, hein. Si tu les mets trop loin, elles servent à rien. Ouais, ouais, bah ça va là, non? Bah, ouais, c'est limite, hein. La zone de pop, c'est par là à peu près, non? Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'elles ont une zone, ouais. Faut que je m'y fasse à ça. Bon, on a une amélioration, je peux en prendre une. Ajoute 50% de défense pendant 8 secondes au héros ciblé. Ok, pourquoi pas. 10% d'attaque. Ça a pété. Ouais. Ça a pété. Moi c'est 20% de défense. Tu peux prendre une amélioration si tu veux. Enfin, après du coup. Ouais, après. Bon, bah je tiens haut. Ouais. Non bah nickel, la tourelle que j'ai mis elle allume quand même. Parfait. Ok, il faut que je... En fait, ma compétence passive, enfin un peu passive mais... Mon soin je peux l'activer que si j'ai des âmes générées. Et pour générer des âmes il faut que je tue des monstres. Donc c'est pas non plus complètement pété quoi. Ouais. Alors du coup, comment je fais pour cibler quelqu'un? Genre si je te... Faut que je te vois peut-être, que je te sélectionne, un truc du genre. Ok, ouais, il y a un petit truc sur ta tronche. Hop là. Bon, ça fait cool, un ça petit c'est... soin. Ouais, bah c'est toujours ça de prix, hein. Ouais, ça et les vagues. Prix, ouais. Avec le 50% de défense en plus, ça fera pas de mal. Eh ben, regarde, alors, le lance-flamme, on a. Sinon, on a la tourelle, le tireur 2 direct. Bon, on n'a pas assez de science par contre. On a... Ouais, non, c'est 65, on a largement pas assez. Du coup, le lance-flamme, paraît pas mal. Eh ben, vendu, vendu, vendu. Allez, je gère en haut comme tout à l'heure. On remplacera les tireurs par des lance-flammes. Et en plus, il a une très très longue portée de lance-flamme. Par contre les petites saloperies là elles ont plus de portée que mon pour me tirer dessus que mon pistolet, c'est un peu chiant. Ah oui. Mais ça c'est chiant. On peut améliorer les... Enfin faut... c'est pas que ça tombe pas comme ça mais tu peux trouver des améliorations qui augmentent ta portée. C'est bien parce que c'est avec le flingue... Alors si j'améliore la tourelle et que je la remplace par un lance-flamme... Est-ce que... Non, elle repart level 1. Ah, quoique, elle est quand même assez grosse. Elle est peut-être améliorée en fait. Ah, bah je vais regarder de mon côté aussi.
Bon, par contre, ça coûte 5 pour la remplacer. La vache, ça pique. Je vais pas toutes les remplacer. Ouais. Non, je pense qu'elle est repartie niveau 1. Ah, y'en a pas un, y a pas une tour, un emplacement de tourelle ici qui touche la défense. Merde, bon. Tant pis, le truc de au début là, je le laisse comme ça. Le module d'industrie, on ira le défendre à la main s'il faut. Il y avait un truc de soin, j'en ai acheté un deuxième, c'est fait. Ça me va. On a plus, mais bon. Et bah c'est de la bouffe. Génial. Et ben, on verra plus tard. Coup, voilà, on avance par là. Ouais. Ennemi, on m'approche. On va pouvoir foutre un petit lance-flamme juste là. Parfait. Il y a l'interrupteur. Bon, pour le bah, moment. Bah, l'autre porte. On... De toute façon, je pense qu'on va finir par l'ouvrir parce que c'est par là la suite. Hein. D'accord. Mais bon. Un coffre. Bah écoute, hein. Des petits souvenirs pour toi. Très bien là au fond. Ouais. Un petit message là. Ouais. Ça a pété. Que deux zones, non, on en a trois maintenant. Mais bon, l'autre elle passe par, elle passe par chez toi. Ouais, ouais, ouais. Il y a de la marge. Ça devrait le faire. J'aurais mis une petite tourelle, mais je pense que ça suffira pas. Non, il met du temps à s'activer le lance-flamme. Sale bête. On peut aussi les taper juste pour avoir un petit bonus, hein, pour leur donner un bonus temporaire. Hein. Oui, exactement, oui. Si on est à côté qu'on y pense. Ah, faut qu'elle soit full life, hein, je crois. Oui, sinon tu la répares. Hein. Oh, le cercle de soins. Ah, il se déplace avec moi en plus. Putain, c'est hyper fort. Ouais, le cercle de soins, il est trop bien. Ouais, il est très 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 bien. J'ai déjà 5 âmes en réserve, c'est pas mal, on l'a ouvert ce coffre. Non. Bon, c'est fini pour la vague ici. Ouais, ouais, c'est que les monstres qui restent sur le chemin là. Putain, je trace ma route quoi. Avec en plus le 90% là. Petit clic droit et hop là. Ah, sauf quand c'est quelqu'un qui te fait péter un truc à la tronche, hein. N'est-ce pas? Est-ce qu'on ouvre là ou c'est risque de se prendre une vague ou pas une vague une... Non, on y va, allez, on pourra gérer. Eh. Ouais, on pourra gérer. Ça devrait le faire. Je m'inquiète franchement pas. On va mettre un petit lance-flamme pour la forme. Pour la route. Ouais. J'aime bon bien, bah, j'ai des petits trucs de fleurs derrière moi. Non non, vas-y, je te laisse ouvrir la petite. Oui, ouvrir la petite porte qui sépare le. Le cristal. Yep. Et j'envoie. C'est bon, c'est ouvert. Let's go. Bon, du coup, je vais couvrir la dernière zone. J'espère que ça ira. Ou non, je vais couvrir. Je vais couvrir le cristal avec ma courte portée, ça va le faire. Ah, mais comme ça apparaît aussi ici qu'on a. Si on a mis de la défense là. Ouais. Ouais, on a mis de la défense ici. Le lance-flamme tout seul est un peu en galère là-bas, mais il les endommage bien avant qu'il m'arrive jusqu'à moi. Ok, bah je couvre après là. La salle de pop. Pour l'instant j'ai que des petits donc ça va. Wow, calme-toi. Ah putain le... Tiens, prends un petit soin. Je dis pas non. C'est bon, tu peux reculer. Ouais, ouais. Alors, j'avoue que la première quête est simple hein, pour le coup par rapport à celle de Blaze là, arrivée full life. Ouais, t'es obligé à claquer tes soins quoi. Et on peut tenir de chaque côté du petit muret si tu veux.
véhicule. D'ailleurs, c'est plutôt de ton côté que ça vient, donc... C'est bien vrai. Cinquième en stock, donc plus de consoles en fait. Ouais, je crois que t'es limité. Tu peux augmenter ton maximum après, mais... Chéché. Chéché. Petit module d'industrie. Si un coup est porté contre un monstre avec moins de 15 PV, le monstre est instantanément tué. Ça soigne 15 PV du héros. Ouf. Ok. Alors faut y penser, hein, mais... Ouais. Mais t'as des petites fessées. Elle est immense cette salle. Ouais, bah on va aller ailleurs du coup. Évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah putain, le module qui est juste là quoi. Ouais, j'avoue. Bon après, pourquoi pas, mais. Déjà, on va foutre un lance-flamme en plein sur leur chemin. Et un autre dans la zone de spawn. Et une amélioration là. Augmente de 25, ajoute 25% d'unité de déplacement à ce héros si un autre héros possède moins de 33% de ses PV max. Ok, pour courir vers toi te sauver. Rien des trucs si tu veux. La vitesse du déplacement non, ajoute 20% de défense, c'est pas mal. Ouais, je prends les 20% de défense. Ouais, c'est pas moi qui vais tanker. Hein. Ça, je suis à 36%. Et à 40, je peux prendre quoi? 15% de cadence de tir contre 20% de défense ou 20% de défense bonus. Ouais. On ouvre celle-là. Bah ouais. Hein. Ah bah tiens, bonjour toi. Si t'avais une arme, je dirais pas non. Ah, ouais, alors... contre de la bouffe. Un lance-feu en plus, pas mal. Hein. Ouais, je pense que je vais prendre le petit lance-feu. Ok. Bien fait de pas aller prendre mon amélioration côté 50. Bon, il est loin chargé, mais bon. Ouais, bah c'est une arme lourde, hein. Énorme lourde. Tiens, tu vas pouvoir t'entraîner. Ouais, ça fait le taf, hein. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est certain. Bah, je vais rester là, écoute. Ouais, je vais tout de côté. On a mis aucune tourelle de ton côté encore. Ouais. Alors, comment ça se passe ma défense? Wow. Le Brota. Accompli, rassembler 600 pièces. Pas mal. Ah, c'était ma troisième quête, je crois, avec mon perso. En fait, je l'avais pas. Je voyais pas ce que c'était, parce que ça me mettait toujours que, tu sais, fallait que je rebascule en solo. Et du coup, et en fait, ça me comptait la troisième. Du coup, j'ai débloqué la troisième. Bah écoute, t'as mieux. Hein. Bon, est-ce que tu gardes de l'électrique ? C'était à la chatte. Hein. C'est totalement de la chatte. Hein. Ah bah oui. Mais bon, écoute, la chatte, ça compte, hein. Ça commence à être pas mal, hein, niveau 3 sur 4, je crois qu'il y a 4 niveaux par perso. Ouais, il y a 4 par perso, ouais. Où est-ce qu'on va là? Ah bah, bah on par là. On continue d'avancer, ouais. Putain, je me bouge dans les pots de fleurs. Ah, t'es parti par en bas. Putain, j'ai failli ouvrir la porte du haut. Ouais, pardon, ouais. J'avais pas vu. Putain, la salle quoi, waouh. Du kit de soins, c'est pas une priorité. Par contre, j'irais peut-être prendre mon amélioration là. Fait. Il y a de la recherche après, mais. Attends, c'est par où Confit tourelle, réduit la vitesse de déplacement des monstres. Ouais, mais c'est pareil, c'est dans la zone d'effet normalement.
Les montres à portée, ouais. Ouais. Putain, là, je sais pas quoi faire. Y'a quoi, la confiturelle et quoi d'autre? Bah, pas ouf. Vas-y, je te laisse aller voir. Pas dingo dingo. Hein. Ouais, bah on va réinitialiser s'il faut. Hein. Prépare de manière continue les tourelles dans la salle. Ouais, c'est pas si mal ça. Hein. Franchement, ça coûte que 25 en plus. Oui, c'est vrai que c'est pas si mal. Le petit truc qui peut quand même permettre à une salle de tenir plus longtemps, quoi. C'est vrai. Moi, je dirais ok pour le réparateur. Bon, non. Bah vas-y, alors let's go. Hein. Je suis au début. Où tu vas? Okay. Bon. Allez, j'y vais. Oh, j'y vais. Allez. Voilà. Ah oui, d'accord. Je connaissais pas cette prouesse de toi. Il faut savoir s'adapter à son public. Voilà. Oui. Tu comprends ce que tu veux comprendre. Oh le Grotta là, tu passeras pas Grotta. Sale bête. Ils sont en nombre. Ah putain. J'arrive. Non, c'est bon, non, c'est juste que je me suis pris une toile d'araignée. Parce qu'il n'y a plus personne à gauche pour le moment, donc je suis en veille, mais... enfin à droite plutôt. Normalement, si la zone tremble plus, c'est qu'il va plus en repoper. Oui. Ah, si la zone tremble plus, j'ai pas fait gaffe à ça, c'est-à-dire. Bah là, le petit point d'exclamation là, quand il y a une vague, il tremble. Il vibre? Ah bon, j'avais pas vu. Ouais. Et si jamais il vibre, c'est qu'il y a des monstres qui vont sortir par là. Eh ben j'avais absolument pas vu. Bon bah on a peut-être d'autres trucs de recherche du coup. Ouais parce que c'est un peu la merde là les boucliers. Ah bah ça irait bien avec, tiens. Et bah allez vas-y. Tu y retournes à l'entrée, on fait comme tout à l'heure. Ouais j'y vais. Parce qu'on là on a zéro industrie. Hein, donc... Effectivement, tu dis vrai. Grosse bouboule, tu ne passeras pas. Et c'est trop bien en fait la tourelle de réparation, on lui donne un coup, ça répare toutes les autres tourelles de la salle quoi. Ah, même nous on peut lui donner un coup en fait. Ouais. Et tu vois là t'as un petit aura rouge là, sur ta zone là, c'est qu'il y a des monstres qui vont popper encore. Ok. Alors saloperie, elle s'est barrée. Elle brûle. Voilà. KO. Et celle-là elle est éteinte, ok. Ah, un petit truc à miner. Traverser une zone de spawn quand même. Ouais, traversant une zone de spawn, la bonne idée je pense. Ouais. Le sens pas. Ah, un truc qui booste la vitesse. Ah non, Kibus lui fait du soin, ok. Ok, bon. Coffre. Voilà, il y en a qui ouvrent les coffres, l'autre il tape sur les tonneaux. Mais j'ai rien fait moi. Chacun son truc. Ok, ça pète. Ah, des robots. Ok, bah je vais aller prendre le truc électrique du coup. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une petite recherche de tourelle électrique? Histoire de compléter. Yop. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aller récupérer les pièces que les tourelles pop aussi. Alors, une lampe à plasma, tourelle à cadence de tir élevée qui inflige dégâts électriques à une cible aléatoire. Bah écoute. Okay, alors, il y a toujours le holo héros 2.0. Eh oui. Mais du coup, on n'a pas assez. Il faut 35 pour aller. Tu peux y aller, ça va péter de toute façon. Ah, merde. Je vais tenir là, ouais. Je vais tenir près du robot du coup.
La tourelle niveau 2, elle est énorme. Ah ouais. Ah la vache, elle est aussi grosse que mon perso quoi. Elle est peut-être même niveau 3 celle-là, je sais pas. Bon, pas mal, pas mal, ça se passe pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah, t'as ouvert des trucs, très bien. Un instant, ouais. J'arrive, j'arrive. Raté. Ouais, robot là. Robot ou ça? Là, c'est là-haut, la porte du robot, je veux dire. Ah oui, pardon, je pensais qu'il y avait un spawn de robot, excuse-moi. Non, non. Ouais, donc pour l'instant, cette porte, pas forcément utile. Non, ça va être chaud hein. Le chemin est pas ouf hein. Ouais, va falloir qu'on le fasse passer dans la zone de spawn, on n'aura pas le choix. Donc à faire on peut éliminer. Après pour l'instant on les gère très bien les monstres hein, franchement. Ah, un petit bonus de bouffe. Bah ouais, mais c'est à dire qu'il faut plutôt le ramener là. C'est plutôt direct hein, si on ouvre la porte là. Ouais. Attends, on a 35 de recherche, on peut faire la recherche électrique et les, après le vas-y, on le lance. On le fait venir. Ça te va? Bah j'ouvre la porte du coup. Vas-y. Ah putain non, c'est 45, sérieux. C'est 45. Ah. C'était 35, bon, c'était bah, le holo-héro. C'est parti quand même. Peut-être que je gère les robots avec mon électrique. Vrai que ça pourrait être bien, c'est vrai que ça pourrait être pas mal ça. Vas-y, bah, je vais prendre le relais là-haut moi. Ouais, j'attends que t'arrives, Kazo. C'est bon. C'est les robots qui nous suivent là. Ah putain. Bon, après je leur fais mal aussi, hein, clairement, mais bon. Comment ça tire ce truc? Putain, attends, j'aurais dû tester l'arme avant parce que je suis un peu à l'ouest là. Derrière. Ouais ouais. C'est bon. C'est le problème, il faut que ça charge quoi le tir. Hein. Oh le tir clan, ça c'est problématique. Bon, il a pris un petit peu de dégâts, faut pas se mentir. Ouais bah ouais. Mais bon. Ah bah voilà, un petit arme pour toi. Ah oui, on prend hein. Yep. Donc on l'a fait venir que pour ça? Apparemment. Il y a des tourelles à améliorer là-bas, à droite à gauche. Bon, la question c'est est-ce qu'on l'envoie miner? Sachant que normalement il a pris une amélioration, si on l'envoie miner... Non, c'est pour les portes, on le soigne s'il prend des portes de sortie, c'est pas si il mine. Donc, Ouais, c'est chaud quand même. Je pense que... On envoie la zone. Ouais, je pense. Ouais. C'est parti. Ah, on a même pas assez pour la recherche, ça c'est dommage par contre. Eh ouais. Y a vraiment rien qu'on pourrait ouvrir ou on peut ouvrir la porte là. Je peux ouvrir gratos. Bon, ça fait un chemin un peu plus court, mais... Ouais, parce que pour avoir des tourelles électriques, ça vaut le coup. Ouais. Allez, c'est parti. Fonce l'activer. Vague renforcée. Ah, ok. Excusez-moi, monsieur. Il y a du monde, hein. Beaucoup de monde. Ouais. Objectivement spécial parce que là. Ah
Ouais, je sais, tu vomis des ennemis, mais vomis des ennemis. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est un muse de vomir des ennemis, vomis des ennemis. La grosse mythe, elle a un truc pas mal qui fait que quand elle est dans la salle du cristal, le cristal il a une attaque. Ah ouais, c'est un passif? C'est un passif, ouais. C'est électrique pour gérer les robots. Un truc qui passe là, je sais pas ce que c'est, un robot. Une nouvelle zone, et ensuite... Et on gagne la tourelle quand même, j'étais pas sûr, mais c'est bon. D'accord, ok, cool. Et c'est pas gratuit, ça a renforcé la vague du coup. Bah ouais. Doit être long le deuxième épisode que t'as tourné, non? Là on est à 1h07 là. Ah juste. Ouais. C'est vrai qu'aussi on pense pas, mais on peut aussi sauvegarder et continuer plus tard. Hein. T'es vrai. Bah là de toute façon je pense que si t'as faim on va y aller, hein, parce que... Bah en fait c'est ça, l'épisode est long, et puis on le reprendra, je pense que semaine prochaine. Choisis la zone, là je te laisse... Ouais je réfléchissais, on va peut-être se refaire la colline de travail, c'est de se refaire l'autre grotta là avec un soin, ça passera peut-être mieux. Ouais on pourra se tenter ça. On a une boisson à trouver en plus donc... Ouais j'avoue que là, j'ai mangé extrêmement léger ce midi, j'avoue que ça commence à être un peu en PLS. Ouais bah j'avoue que ne pas manger avant le live c'était osé. Ouais, bah c'est parce que j'ai la copine qui travaillait, on s'est mis d'accord pour manger après, parce qu'elle ça aurait été un peu galère. Donc... Bah écoute, on va sauvegarder pendant qu'on est en sécurité. Exactement. Et du coup ça m'a pas validé ma quête, terminé la première zone du premier étage du quartier du jardin de piété avec Z dans votre équipe. Bah ça a l'air bien pourtant. Ou alors faut qu'on quitte peut-être. Non, moi ça me les termine... Bah, normalement non. Bah ouais, c'est bizarre, ça me dit bien que... C'était le jardin de piété, j'ai toujours ma quête dedans. Bah écoute, peut-être qu'elle est buggée, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais c'est buggé, c'est bizarre leur truc. Comme moi, tu vois, il me disait, vous avez fini la deuxième quête, il t'affiche pas la troisième, et je l'ai débloqué en cours. Et en ouais. Plus, je l'ai débloqué, et ça me dit rassembler 600 pièces, terminé, et c'est marqué entre parenthèses 599 sur 600. Normal. Donc je pense qu'il y a des petits trucs hein, quand même qui sont. Ouais, qui sont pas un petit peu alléchés peut-être. Ouais, c'est ça. Bon bah du coup, est-ce que je peux sauvegarder, abandonner et revenir au saloon ou sauvegarder et revenir au menu principal? Vas-y, je sauvegarde. Ouais, c'est mieux. Hop là. Super. Pour l'occasion de tester si ça marche bien le rechargement de sauvegarde. C'est clair, sauf si on peut reprendre les parties en multi. Pour de vrai. Ça serait cool. J'ai un continué déjà, donc bon. Bon bah nickel. Bon bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode de VOD, puis probablement pour le live aussi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé. Je l'ai pas dit, mais on a aussi un petit code de réduction de 5% si vous achetez avec notre lien partenaire qui est en description. Ou avec le lien que j'envoie dans le chat Twitch, si vous êtes sur Twitch. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé, d'être passé, d'avoir lurqué ou papoté dans le chat. C'était bien cool et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Merci bien, à bientôt.